Mini review déflagration. Ça va être dur d'en parler sans la dose de sel qui va avec, on va pas se mentir. Suite à la découverte des identités de Scarabella et Black Minette, Monarch fomente un plan parfait qui lui permet de récupérer enfin les Miraculous de Ladybug et Chat Noir pendant qu'Adrien et Marinette écoulent des jours heureux dans le self. Mais c'était sans compter sur les Kwami qui évidemment ne veulent pas aider Monarch. S'ils tentent d'abord de s'enfuir, Plaque finit carrément par détruire son Miraculous pour ne pas se faire utiliser. Ce qui donne son nom à l'épisode d'ailleurs. Gabriel se retrouve alors avec seulement un Miraculous, mais Tiki ayant utilisé son Lucky Charm permet à Marinette de tromper une fois de plus le super vilain. Super vilain qui, malgré un plan relativement bien orchestré, se fait mettre à terre par des gamins et asperger de sauce. Mais qu'est-ce que vous avez avec Gabriel et les sauces dans cette saison à la fin? C'est ça que vous voulez qu'on retienne de lui? Un vilain qui s'est fait saucer? On passera bien évidemment sur l'akumatisation de Chloé, anecdotique tellement c'est courant. Tiki et Plague retournent avec Adrien et Marinette et Zoé déprime de se retrouver de nouveau seule. En vrai, elle m'a un peu fait de la peine. Conclusion, la problématique de couple Marinette-Adrien alors qu'ils sont porteurs depuis le début de la série est bullshit, vu qu'au final, ils sont ensemble en étant des héros.